From Homes for You Culture, en abrégé FOFU Culture, est une association humanitaire qui s'est assignée comme mission de porter assistance aux enfants en situation difficile. Depuis sa création en 2015, FOFU Culture travaille avec les enfants démunis, handicapés et orphelins du Togo. Très tôt, au Togo, l'association a été interpellée par les conditions de vie des enfants du village de Bassamba. Bassamba est un village au nord-est du Togo, à quelques 475 km de Lomé, la capitale du pays. Avec une population d'environ 600 habitants ou une superficie de 9 km², Bassamba est l'un des premiers villages à l'entrée du pays d'Embermont, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses fameuses constructions traditionnelles appelées Takenta ou encore Tata Tembermant. Ce qu'on a appelé coutume Tembermant. Coutume Tembermant. La Tata a construit par accompagnée d'une femme. Sans la femme, la Tata ne peut même pas exister devant Tembermant. La femme qui fait tout. De l'argile, tout ça là, pour mettre tout dedans. Pour mettre, la fiente du bœuf. Pour damer tout. Car tu as déjà construit. Sans femme, la tata ne peut même pas exister au pétan même. Doté d'atouts naturels au nom desquels nous pouvons citer le fleuve Kéran, qui offre au paysage un attrait particulier favorisant la détente et le tourisme. C'est le matin. Des arbres et des plantations desséchées par l'Amaton, une famille autour du feu pour se réchauffer. Pendant ce temps, les membres de FOFU Culture essaient de se fondre dans le vécu quotidien des habitants du village de Bassamba. Après cela, l'association FOFU Culture se rend chez le chef du village. Si tu n'es pas là, c'est bien. Tiens, santé. Mais, Benati. Benati. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est Benati. Ok. Donc, Kouyenadi Téni. Dieu va vous protéger. Kouyenadi Téni. Amen. Mais vous allez avancer. Amen, amen, amen. Pieta. C'est très bon. Merci papa. Merci beaucoup. Je suis content de vous. Voilà. Je veux que Dieu me laisse la vie. Amen. À la, voilà. Amen. Vous allez venir me trouver. Amen. Amen. Si vous avez
L'année-là, si vous avez gardé au Maroc, oui, oui. Il faut m'inviter, je vais aller là-bas. Ok. Oh, okay. C'est ça. Wow. Ah, c'est très bien. Si Dieu le veut. Amen. Dieu le veut. Dieu le veut. Si Dieu le veut, bah. Ah. Non, Dieu le veut. On va disparaître. Non, Dieu le veut. Dieu le veut. Donc, papa, demain on va partir. Ouais. On va partir demain. Mais on ne va pas vous oublier. Non. D'accord? Merci. Non, on va partir, on va continuer à penser à vous. Ouais. Quand on va avoir un peu de choses, on va revenir encore. Uh-huh. Vous saluer. Merci. D'accord. Donc vous. Le bouton. Le bouton. Le bouton, papa. Uh-huh. Le bouton. C'est ça. Il y a 4 ans que j'ai découvert ce village de Bassamba où nous sommes ce soir. C'est un petit village qui, dès le début, m'a séduit. Depuis que j'ai connu ce village de Bassamba, la pauvreté m'a interpellé et depuis lors, moi et mon association From Us for Yukocha, nous avons commencé à réfléchir à comment pouvoir impacter ces enfants-là, les enfants du village de Bassamba. Et il y a un an, nous avons démarré nos activités officiellement ici à Fufu Culture. Nous avons commencé à soutenir l'éducation parce que ce sont des enfants qui doivent marcher des kilomètres pour aller au CG, à l'école secondaire à Kanté. Parce que les enfants de Bassamba, ce sont des enfants comme tous les autres enfants, mais les conditions dans lesquelles ils vivent ne les permettent pas sérieusement de pouvoir s'épanouir. Les enfants là, ils ont l'école primaire chez eux, mais le CG, le secondaire est à Kanté, à plus de 17 km de chez eux. Ça fait que naturellement, après le certificat d'études du premier degré, les enfants, quoi qu'ils ont cette volonté-là de fréquenter, il y a d'abord la distance qui représente un grand handicap pour eux. Donc à Bassamba, déjà après 12 ans, 13 ans, 14 ans, l'enfant arrête sa scolarisation et devient fermier, comme son papa, ou berger. Et pour les jeunes filles, imaginez une jeune fille qui ne va plus à l'école après 12 ans. À quel avenir est-ce que cette jeune fille-là sera vouée? Donc, From Us for Yukocha, nous nous focalisons sur les enfants parce que notre objectif, c'est de pouvoir les influencer, de pouvoir les amener à découvrir de nouvelles perspectives que celles auxquelles les enfants sont habitués dans leur milieu. C'est ce que nous faisons à Bassamba. Grâce aux efforts du gouvernement togolais, l'enseignement primaire a été rendu gratuit pour les élèves sur l'étendue du territoire national. Pour aller plus loin, les localités aussi rurales comme Bassamba ont été dotées d'une école primaire publique pour assurer une éducation de base aux enfants et leur permettre d'étudier jusqu'à avoir leur certificat d'études du premier degré, CPD. Bassamba étant un village sans électricité, les élèves n'ont que le clair de la lune comme éclairage nocturne pour apprendre leurs leçons et faire leurs devoirs. Ceci étant pénible tant pour les élèves que pour les familles, après le CPD, les parents choisissent d'envoyer leur enfant étudier en ville à Kanté, à quelques 17 km de chez eux. Merci, papa. Une fois à Kanté, les élèves du village de Bassamba doivent penser à louer des chambres. L'avantage est qu'à Kanté, ils pourront avoir accès à l'électricité et pourront alors étudier convenablement comme tous leurs autres camarades. Cependant, pour les familles, cela représente d'autres charges auxquelles elles doivent faire face. Par exemple, le déplacement Bassamba-Kanté, Kanté-Bassamba.
Les familles étant dans l'incapacité d'offrir un moyen de déplacement aux élèves, ceux-ci doivent parcourir les 17 km à pied pour se rendre à l'école. Ainsi, les dimanches soirs, ils quittent le village en direction de la ville avec des provisions de la semaine, voire du mois. Selon les statistiques de la population du milieu, sur 100 enfants qui commencent le cours primaire, 75 arrivent à franchir le seuil du CEPD. Sur les 75 qui réussissent à leur examen du CEPD, seuls 50 iront s'inscrire dans un collège d'enseignement général pour poursuivre leurs études. Des 50 élèves qui s'inscrivent en classe de 6e, à peine 35 arriveront en classe de 3e et qui devront affronter l'examen du brevet d'études du premier cycle, le BEPC. 25 réussiront à leur examen du BEPC, mais seuls 15 iront s'inscrire pour poursuivre une étude au lycée. De ces 15 élèves qui seront inscrits soit pour le lycée d'enseignement général ou le lycée d'enseignement technique, seuls 3 élèves sortiront avec leur baccalauréat en poche, prêts à faire leur entrée à l'université. Sur le chemin de l'école, les enfants qui s'arrêtent par moments à cause de la distance afin de reprendre la marche vers l'école. Encore une occasion de s'amuser par des danses traditionnelles. Nous avons vu comment les élèves marchent depuis ici Bassamba pour aller à Kampé.
c'est difficile. Mais ce que nous, en tant qu'association, on peut vous dire, c'est de vraiment encourager Emilien à pouvoir aller à l'école cette année. Nous sommes une jeune association, c'est vrai. On n'a pas beaucoup de moyens. Mais nous pouvons vous garantir que si Emilien réussit au CPD cette année, nous-mêmes, on va faire le reste. Pour le déplacement ici et Quentin, on va lui acheter un vélo. On va lui payer les fournitures, sacs, cahiers, livres, bic, on va faire tout ça. Et par la grâce de Dieu, on peut même lui donner un peu d'argent de poche. Oui, c'est vrai. C'est notre objectif d'aider les enfants. Donc nous allons vous demander de prier avec nous, mais surtout d'encourager Emilien à aller à l'école. Faut pas qu'elle arrête l'école comme ses grandes sœurs. Elle a beaucoup d'avenir. Ensemble, nous allons l'encourager à ce qu'elle aille à l'école. C'est vrai ce que vous venez de dire. C'est vrai, nous souffrons beaucoup. Nos enfants n'arrivent même pas à aller à l'école. Mais par manque des moyens des déplacements, des fournitures scolaires, l'école à payer, tout ça là, c'est difficile. Mais il y a ces grandes sœurs, ces grands frères qui sont abandonnés l'école à cause de, par manque des moyens. Et Emilienne, elle veut continuer. Elle fait au CMB. Et si Dieu le veut, l'année prochaine, elle va passer à la 6e. Mais ils sont en train de penser comment faire. Elle aussi, elle va abandonner. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Si nous là, non, il n'y a rien pour soutenir. Nous souffrons beaucoup. Comme vous êtes arrivés là, je remercie Dieu beaucoup pour votre vie et pour votre visite. Notre association, From Us for Yukotcha, nous sommes là, nous sommes intéressés par cette population de Basamba et nous voulons vraiment pouvoir poser des actions concrètes pour voler au secours de ces enfants-là. Pour cette année 2019, nous voulons pouvoir aider ces enfants-là à aller à l'école. Ces enfants-là qui arrêtent l'école parce que l'école est à 20 km de chez eux. Nous voulons pouvoir les offrir des vélos. Nous voulons pouvoir les offrir des kits scolaires. Nous pouvons réellement pouvoir porter une assistance concrète à ces enfants-là. Ce sera un plus pour l'éducation nationale. Donc, notre association, nous sommes une très jeune association. Nous n'avons pas de moyens et nous avons besoin de vous pour nous aider à pouvoir apporter notre aide à ces enfants-là, au village de Basamba. Nous aurons besoin de quoi? Nous aurons besoin de contributions volontaires, de dons, pour pouvoir réellement, à la rentrée 2019-2020, pouvoir revenir ici, au village de Basamba, et avec vos dons, pouvoir permettre à ces enfants-là de démarrer une nouvelle année scolaire dans des conditions vraiment adéquates. Je m'appelle Yatika Emilia. Je suis en école de 5 ans. Je veux fréquenter. Quand j'ai fini mon dossier, je veux revenir au pays. Je m'appelle Moukou Augustin. Je fréquente à Quentin, côté de Camille. Je fais la 5e. Je veux, après mes études, je veux devenir un infirmier. Je m'appelle Waka Brigitte. Je fréquente lycée Nadoba. Je suis classe 6e. Quand je veux finir mes études, je veux devenir enseignante. Je m'appelle Yatika Romain. Je fréquente l'école de Sijikandé-Ville à Kanté. Je fais en classe de 3e. Je veux que, à la fin de mes études, je veux devenir un professeur. Foufou Culture s'est assigné la lourde mission de soutenir la scolarisation des élèves du village de Basamba.
Vous aussi, vous pouvez soutenir cette noble vision et aider ces élèves à poursuivre leurs études.